quelque chose là. Mais non, il n'y a rien. Quelque chose va passer. Mais non, mais non. Regardez, je m'assois sans aucun problème. Je vous disais qu'il y a deux grosses pièces au rez-de-chaussée. Quatre chambres à l'étage, plus un grand grenier. Le grenier est aménagé à cigare. Pardon? Un cigare éclate. Eh bien quoi, votre cigare, il est tombé. Ramassez-le, vous allez brûler le sol. Donc, le grenier est aménageable. Arrêtez! Pourquoi vous n'aimez pas le grenier? Je suis possédée. Bien sûr! De nombreux travaux restent à faire dans le grenier. Arrêtez! Il faudrait savoir ce que vous vouliez à la fin. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me chatouille. Quelque chose qui vous chatouille? Oui, quelque chose qui vous chatouille. Ça va? Oui, va. Bon, alors, cette maison, elle vous plaît? Je ne sais pas. Il faudrait savoir, vous savez, vous n'êtes pas le seul sur la terre. Et j'ai un autre rendez-vous dans une demi-heure. Monsieur, vous êtes le propriétaire? Non. Écoutez, il se passe de grandes choses dans cette maison. Oui, si je ne veux pas me croire, les choses sont... Oui, oui, on me l'a déjà dit. Avant, normal alors. Les propriétaires pensaient que c'était un fantôme. Un fantôme, elle voulait que j'achète une maison hantée. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne pouviez pas vous taire. Je dois revenir avec d'autres clients. Et surtout, si vous parlez de fantômes, je vous étrangle. Coucou, Charlie, alors qu'on achète ça avant. C'est simplement vrai qu'il y a des choses qui volent dans cette maison. Ah, c'est simplement un courant d'air.